Son Altesse Royale, Marie-Antoinette, Joseph, Jeanne, Sophie, Thérèse, Caroline, Françoise, Léopoldine de la Touraine, Archiduchesse d'Autriche, Princesse Impériale, Princesse Royale de Hongrie et Noël, Reine de France et de Navarre. Je te jure, hein. Les gens savent pas s'amuser en 1789. Oh, c'est déjà pas facile d'être Marie-Antoinette. Regardez ça. Mais regardez, je suis engoncée comme un babouin là-dedans. Ça, ça fait rêver les petites filles, hein. Les robes de princesse, les froufrous, les neuneux, la crinoline. Mais je peux vous dire que là-dessous, ça ne sent pas la rose.
Quand je bouge, j'ai les yeux qui sont brûlés par l'odeur. Ça ne sent pas bon. Ah, j'ai chaud là-dessous. Allez, sérieusement, regardez ça. Sérieusement. Oh lui, sérieusement, on dirait pas Père Noël à qui on a retourné la barbe. Mais oui, je peux vous dire que la touffette que j'ai ici, j'ai l'en-dessous aussi. C'est pas un abricot, c'est une boque de châtaigne avec des picots. Mais c'est la vérité. Ah oui, et alors, je suis sûr, vous demandez sûrement avec tout ça, là. Hein? Comment je fais pour aller au... Ben, j'y vais pas. Je fais dans ma robe. Ben, c'est la vérité, hein? Ça, c'est pas noté dans les livres d'histoire, mais c'est la vérité. Ah ben oui, c'est l'envers du décor, hein? Vous allez vous extasier devant des peintures avec Marie-Antoinette, mais si ça tombe... Pendant qu'il me peignait, je faisais la grosse commission, hein. Mais c'est la vérité! Mais vous savez, mais ça dure des heures, hein, pour faire une petite peinture, des mois, des semaines, c'est terriblement long. T'es comme ça, tu ne peux pas bouger, t'es comme ça. Comme ça, des jours, des semaines, on te dit, souriez, Marie-Antoinette, oui. Mais c'est la vérité! Mais c'est vrai! Pourtant, comme peintre officiel, j'ai eu Elisabeth Vigier-Lebrun. J'aimais bien, c'était une femme, on pouvait papoter. Mais quand bien même, à un moment, après des centaines de peintures, tu n'en peux plus. Un jour, j'ai pété un plomb. J'ai dit, Elisabeth, tu arrêtes! Tu m'agaces, tu ranges tes pinceaux, tes gouaches, je n'en peux plus! J'étais comme ça, énervée. Elle me dit, mais enfin, calme-toi, Marie-Antoinette. Je dis, non! Je n'en peux plus! Elle me dit, attends. Elle m'a donné une tisane avec des boulettes de camomille. Enfin, je sais pas ce que c'était, j'ai bu ça. Après, j'étais bien. J'étais pété. Bon, je n'avais jamais voyagé, j'avais jamais été en Inde, je voyais des éléphants qui tournaient autour de ma perruque. Je t'ai pété, tellement pété, j'ai dit à Elisabeth, allez, vas-y, peins-moi, point. Qui a compris ce que je viens de dire? Qui a une idée de ce que j'ai pu bien dire? Peins-moi, poil. Oui, peins-moi, poil. Ah, vous y étiez? Peins-moi à poil, que je lui dis pété, que je lui dis là, mais enfin, Marie-Antoinette, non, je lui dis allez, peins-moi nu. Elle me dit, mais enfin, t'as perdu la tête? Je lui dis non, pas encore. Oh, je dis, mais Dieu, lui, oui, c'est la vérité. Je lui dis, Elisabeth, je lui dis, fais pas ta prude, hein. C'est l'origine du monde, c'est de la convient. Elle a pas voulu, mais il y en a un qui m'a piqué l'idée, hein. Mais c'était pas mon origine, hein. Oh non, tout est long, mes aïeux. Les trajets, c'est terriblement long. Moi, j'ai découvert que j'avais le mal de la calèche. Je ne suis pas bien aux calèches, hein. Mais t'as des pavés, c'est pas tout plat, les routes, t'es comme ça, tagada. Tu ne vois rien du paysage, les portes, elles sont, les fenêtres, elles sont comme ça, tagada. Ouais, à un moment donné, je dis, arrêtez-vous, je ne suis pas bien, arrêtez-vous. Hop, tout le monde s'arrête. Ah, je dois sortir, les laquais poussent au cul. Hop, impossible de passer la porte, hein. Je me suis énervé, j'ai dit, mais c'est pas possible, réfléchissez, faites des portes plus grandes ou des robes plus petites, hein. Pas fini ma phrase, tout vomi sur la dentelle de Bruges. Hein. Oh, une heure pour monter. C'est bien simple, j'ai dit à mon mari, c'est fini. Je ne vais plus nulle part, tu me laisses ici. Il me crie, ah non. J'ai dit, bonne idée, un Trianon. Je suis une fourbe, ben oui, mais non, mais c'est vrai. Oh ben, c'est bien ce qu'il faut faire, parce que quand je vous dis que tout est long, justement, avec mon mari, Louis XVI, je préfère garder son anonymat. Mon Dieu, avec Louis XVI, je ne suis pas très... Il y a des enfants, je dois faire attention à ce que je dis. Bon, coucou toi. Donc, avec Louis XVI, je ne suis pas très heureuse au niveau de ma... Oh non, hein, Louis XVI, de là à là, très gentil, très sympathique, très utile. De là en bas jusqu'au genou, inutile. Hein. Moi, j'ai l'impression que son zigugui a séché et qu'il est tombé. Mais oui, c'est une copine, hein. Moi, c'est comme ça, c'est comme une copine. Tout ce qu'on fait, c'est des soirées pyjama. Hein. Oui, ben, je suis là avec ma petite robe de nuit, lui aussi, mais des robes de nuit. Mais je me suis posé des questions, moi. Hein. Tous les jours, il va à la chasse avec ses amis. Je me demande bien ce qu'il fait dans les fourrés. Hein. Je lui ai dit, où est-ce que tu vas? À la chasse. À la chasse. Hein? Et avec qui? Avec mes amis. Avec tes amis! J'ai dit, mon ami, tu vas venir visiter mon fourré plutôt que le bosquet des autres.
Oh, j'ai pas baissé les bras, je lui dis, nous allons aller prendre un bain de lait. Il lui dit, je n'ai pas envie de me laver. Je dis, mais tu n'as rien demandé, dis. C'est un or, c'est important pour l'histoire de France. Nous voilà partis, bras dessus, bras sous. Pour prendre un bain, le temps de traverser la galerie des glaces, une heure. Le lait dans la baignoire, c'est devenu du beurre, hein. Et l'autre qui voulait faire demi-tour, oh ben alors je m'en vais à la chasse. Je lui dis, tu restes ici, mon ami. Je l'ai mis dans la baignoire, maud, une grande baignoire, c'est un grillard. Quand c'était devenu du beurre, je ne savais pas, mais ça glissait. Mon Dieu, oui, il essayait de m'attraper, je glissais comme un saumon. Voilà, là, la chasse, la pêche, j'ai tout bon, tu sais, avec lui. Ça lui plaisait bien, il était comme ça, oh, 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 Marie-Antoine. Moi, je le connais, mon Louis, il n'était pas comme d'habitude. Je lui dis, ça va, Louis, vite, là, oh, 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 oh. Moi, j'étais comme ça, hein. J'étais comme un gardien pu qui essaie de récupérer la semence royale, hein. Et à un moment donné, go! Oh, après 7 ans, j'ai eu 3 enfants. 3. Je veux dire, enfin, il y en a un qui est mort. Oui, j'ai roulé dessus avec ma robe. Mais oui, il était derrière moi, j'ai reculé, ça n'a pas bipé, hop. Oh, mais ça peut arriver à tout le monde. Oh non, mais on en rit. Mais ça n'a pas été facile, mon arrivée en France. Personne ne comprenait ce que je disais. Je venais d'Autriche, moi. Voici pour demander un coca en français, quand tu parles allemand. Ich möchte ein Coca bitte. Ben oui, j'ai tout eu sauf un coca, hein. Oula, il faut que j'aille parce que je ne tiendrai plus. Après, je vais mourir asphyxié, ça serait vraiment dommage. Ah, une chaleur, les amis, mais c'est terrible. Hein. On ne s'en rend pas compte, il fait fort. Oh. Ah, quoi? C'est bon. Ah, c'est ça! On ne sait rien. C'est, oh, ben, c'est mon petit chez moi, hein. C'est un appartement parisien, regardez ça. Eh ben voilà, c'est mon intimité. Regardez! Et qui est là? Regardez, je vous en parle depuis tout à l'heure, regardez qui est là! Oui! C'est Louis XVI, c'est mon mari. Il est beau, hein? Oui, il faut le dire vite pour pas mentir longtemps. Enfin, le bar est ouvert, regardez, pour une... Oh ben oui, ça, regardez ça. Pour une fois que j'ai des amis à la maison, on va pas bouder notre plaisir, hop là. Et hop là. Alors le sauver. On va commencer par le sauver. On va boire un petit coup. Oh, dites. On va... Tu n'en auras pas, tu sais, toi. Ah, oh, regardez ça, comme il est content. Regardez. Tu préfères une blonde ou une blonde? Ah ben ça tombe bien, je dis que ça. Alors je te mets une petite comme ça, les santé. Qui en veut? Il n'en aura pas pour tout le monde. Il hein. Y a les gens au peur. Buvez parce que ça les tranquillisera. Il se dit c'est un piège. Et alors? Elle est fraîche. Ah ça y est, c'est ça, se décoince, hein. Allez, j'arrive. Hop, oulala, elle est même fort gelée, celle-ci. Allez, levez le bras, il n'en aura pas pour tout le monde. Tenez, monsieur, levez-vous, faut le mériter quand même. Qui? Allez, hop, qui en veut? Oui, mais regardez, c'est mon sauveteur. Eh ben, toi, t'auras un gros goulet, tiens. C'est mon préféré, voilà. Qui d'autre? Ben, oulala, ben j'arrive. Ben, alors ça, hé, faut pas me pousser, tu sais. Attention, messieurs, ah, monsieur, je vous en donne, et après, vous resserrez vos jambes parce que je vais utiliser votre corps. Enfin, quand je dis que je vais utiliser votre corps, attention, non, ça ne va pas être possible. Attendez, ici, penchez-vous, mais pas trop, hein. Allez, attendez, madame, tenez, tenez ça. Mais ne léchez pas tout le goulot, hein. Alors, tenez ça, tenez ça. Attention! Non, c'est pas facile, regardez ça. Vite! Penchez-vous pour ça! Vous avez quel âge? Ah, ça va. Allez, tenez ça, hop! Vous partagez avec vos camarades. Vous, vous partagez aux autres. Et vous partagez votre herpès, tout ce que vous voulez. Hein. Ah, ça fait du bien. Ah oui! Et pour ceux qui n'ont rien reçu, je peux faire des crêpes et des frites. Hein. Et en arabe. Oh, vite, merci. Je ne vous cache pas que ça fait du bien d'aérer sa kikinette. Hein.